face à cette situation de vulnérabilité que traverse le monde entier, en particulier notre pays. Une situation de vulnérabilité sanitaire ayant entraîné une vulnérabilité sur le plan économique, social, culturel, il n'est plus que jamais important d'agir ensemble. Nous devons nous détourner de l'esprit défaitiste, de toute croyance à la fatalité du COVID-19. Nous devons chercher à mobiliser nos énergies, à fédérer nos matières grises, pour vaincre les ennemis communs. Nous devons agir en synergie avec l'État, avec les organisations de la société civile. Nous devons mener ce combat avec vigueur et avec fermeté. C'est la raison pour laquelle tous les secteurs de la société sont concernés. La volonté politique est nécessaire. Elle doit être affichée et réaffirmée par ceux à qui incombe la responsabilité d'écrire la politique de l'État. L'administration qui est le bras sécurisé du pouvoir exécutif doit s'inscrire dans une logique allant de la prévention à la sanction. La société civile, ou alors les organismes de la société civile, doivent jouer leur rôle de veille et d'éveil. La population a également une partition à jouer à l'intérieur. Nous devons faire des sacrifices. Nous devons priver d'un ensemble de choses. Car de là dépend la survie de l'humanité, la survie de l'espèce humaine, la survie